On s'est rencontrés en fait, c'était une demande sur Facebook. Et on sait pas trop d'où c'est venu, en fait on pense que c'est Romy qui a demandé quand elle était petite, ça jouait avec le téléphone à Jenny et du coup on avait des amis en commun et peut-être qu'elle a appuyé par erreur, on sait pas. On s'est envoyé un petit. J'ai envoyé un message en fait pour savoir si on se connaissait. Vous m'entendez bien si je parle comme ça? De là on a commencé à discuter, on s'est appelé, on a beaucoup parlé. Stop, voilà, je vais ouvrir la porte, tu bouges pas. Vas-y, je suis en stress là. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Après le muguet, c'est les roses. Je veux l'épouser parce que, en fait, je pense que c'était le bon moment de le faire. Et puis, ça fait 6 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. Pour moi, c'était la continuité pour sceller un peu cet amour qu'on a tous les deux, quoi. Vas-y, arrache-moi tous les cils. Je trouve qu'elle m'a apporté énormément de choses. Elle m'a fait beaucoup de bien. Et c'était le coup de foudre direct. Vas-y, j'ai peur là, putain. T'as peur de quoi? Mais je sais pas là. T'as confiance? Oui. Les émotions, bah, c'était complètement incroyable. En fait, je l'ai vu arriver et puis je me suis plus posé de questions, quoi. Je savais que c'était elle. Et puis j'étais vachement ému. Je la trouvais magnifique. Et c'était voilà. Je savais pourquoi j'étais là et je savais que c'était que du bonheur et que ce sera encore que du bonheur et que je suis hyper content que Max soit elle qui partage ma vie jusqu'au bout, quoi. J'espère. Bon. 6 ans et demi de bonheur, ma chérie. Et grâce à toi, depuis le début, là, j'ai bien évolué. Toi aussi, je suis bien fier de ce que tu es devenu, de ce que tu as entrepris, de ce que tu fais maintenant, ton ouverture de cabinet, tout ça. Et ces 6 ans de bonheur, je me pose plus aucune question. Je suis amoureux, je suis fou de toi. Et je pense que c'est le bon moment pour te demander un mariage. Veux-tu m'épouser? Merci. J'aimerais lui dire merci déjà pour ce qu'elle a fait pour moi, pour ce que je suis devenu, pour le soutien qu'elle a eu pour tous les projets qu'on a eus et pour tous les projets qu'on aura par la suite. Et voilà, lui dire que je l'aime fort et que j'ai hâte de partager le reste de ma vie avec elle.